Eh oui, c'est encore la quatrième dimension qui vient de prendre le contrôle de votre écran. Et ce petit check de ROM nous donne accès à Dragon Breed. Qui es-tu, Dragon Breed? Un shoot IRM. C'est signe de plutôt bonne qualité. Maintenant, on se trouve quand même avec du bon gros pixel, sachant que la même boîte sortira dans la même période un titre génial qu'on connaît tous sous le nom de R-Type. Je regarde comment ça se joue, hein, parce que je découvre en même temps que vous et le stream précédent a été fait en boulet mode total. J'aimerais pas que ça se reproduise pour celui-là. Ah, je peux descendre à pied. Je pense que ça va être beaucoup trop compliqué pour moi. On peut faire trop de choses là-dedans. C'est un peu comme si j'arrivais dans Prince of Persia et avoir essayé la toute première version, quoi. Oui, j'aime plaisanter. C'est de l'humour. Gamer. Je sens qu'il va me gonfler, ce truc, je sais pas pourquoi. Pourtant, regardez-moi ça, il y a même des astuces avec l'enroulage. Non, mais faut que j'essaye par contre. Parce que c'est bien d'être médisant, mais il faut avoir manipulé le produit pour pouvoir être totalement médisant ou l'adorer. C'est au choix. Prends mon argent. Emmène-moi. Contre les boutons d'acné et de fièvre, Dragon présente Dragonus. En avant, Dragonus! Est-ce que je passe une super bombe tout de suite ou j'attends, je fais le mec qui est un peu aware du truc, qui maîtrise? Non, je suis pas crédible, ok. Non, mais je tente. Est-ce que je peux cancel les boulettes de connard là? Ah, mais c'est pas très maniable cette queue de dragon en fait. Parce qu'au début, on croit qu'elle va s'enrouler toute seule comme ça, easy easy. Bon, en fait, je peux cancel les boulettes, ça c'est la bonne nouvelle, c'est pas ça. Ouais, gros, je suis colère! Purée, j'arrive presque à faire l'accent de Montpellier quand je suis colère, vous avez vu ça? C'est incroyable. Est-ce que j'essayerai pas un tir alternatif pour voir? Non, parce que de tir alternatif, il n'y a pas, mon pote. Alors, le truc sympa, par contre, c'est qu'on peut jouer avec sa queue. Eh oui. Contrairement à à ce que les parents indiquent aux jeunes enfants. Là, on vous invite totalement à le faire. Ah, purée, regardez-moi ça. Et on peut monter et descendre à volonté comme dans GTA avec les voitures, quoi, c'est incroyable. Alors on était bien mal barré, si vous vous rappelez le début du stream, où j'ai quand même usé de ma grande et réputée langue de pute pour pourrir ce titre d'emblée, alors que, et c'est pas parce qu'il ne fait pas crever toutes les 3 secondes, hein, c'est qu'il est juste jouable. L'histoire de la queue qui s'enroule, je vous avoue que je maîtrise pas tout. Hein. Mais sérieux, pour l'époque, sympa. Respect, mec. Comme quoi, souvent on s'emballe, on se met dans des modes avec certaines convictions qui ne sont en fait que des bullshit. Oh, laissez-moi passer, les gars. You want to see my real colère? Because I can do it, hein, fais gaffe. Je vais aller pas à terre ramasser mon petit bonus. Oh, on ramasse le coton parce que j'en ai besoin. Pourquoi je me suis mis dessous? Quelle andouille! Bon, les gars, on va le passer ce boss, je vous le dis. Et oui, c'est ma punition, j'ai été médisant avec ce jeu, donc je vais au moins vous faire voir le premier boss en entier. Parce que c'est pas comme ça qu'on traite le travail honorable des programmeurs qui a été correctement fait. Et oui, il faut savoir l'avouer de temps en temps. C'est bizarre, c'est vraiment, c'est à gérer, hein. Alors, le truc sympa, c'est que voilà, en les écrasant, je peux les détruire. C'est plutôt pas mal, non? Allez, GTA. Alors, je peux flinguer ça d'abord. Ah, mais tant que je suis pas à pied, j'avance. Et oui, c'est piège à con. Et il faut tirer quand on est à pied en plus. Dragon, reviens! Allez, on y va. J'ai presque eu l'impression de faire plus de dégâts à pied que sur le dragon. Venez, cohorte de morpions spatiaux. Je vais vous roxer. L'enroulage ne marche que quand on se met. Voilà. Que quand on se fait un déplacement dans le sens horaire. Après, c'est fucked up. Tu as trouvé ton poids sensible, mon pote. Ah, mais il y en a un autre.
Ce bonus, si je l'attrape, je mets peut-être la balle dedans. Je vais le laisser celui-là. Je sais pas pourquoi, je me sens petit zizi, comme on dit. Ça, c'est pas mal comme fonction. Tu m'en remettras 15. Ah, mais là, ça y est, j'ai pris la grosse tête. J'ai le sentiment de toute puissance ultime. Je n'en puis plus. Ça se voit d'ailleurs. Comme quoi, mes streams sont pas inutiles. On aurait pu passer à côté de ce petit truc. Juste parce qu'il a une... Merde. Juste parce qu'il a un habillage qui est moche. Faut dire ce qu'il est quand même. L'habillage est... Bah, bien que travaillé, c'est pas ultra top, quoi. Donc Dragon Breed, sur le principe et vu son âge, ben c'est validé, parce que ça reste super jouable du coup. Faudra faire abstraction de la bouillie de pixels, mais je pense qu'il y a de quoi se marrer en fait. Contrairement à ce qu'annonce la démo du coup très mal foutue. Ils auraient mieux fait de faire des écrans animés tout con, puis montrer trois screenshots vite fait, plutôt que cette scène minable de démo où ça donne vraiment pas envie. Bon, sur ce, je vous fais des bisous. On se retrouve dans un autre stream que j'enregistre direct après. Je ne sais même pas sur quoi. Et il ne parlera certainement pas des pets de lapin.